Chers abonnés, chers buzzers, vous savez très bien que mincir n'est pas une simple affaire. Vous avez beaucoup d'éléments naturels qui vous aident à brûler les graisses, notamment la papaye, l'ananas ou alors le thé vert, qui possède des molécules qui stimulent la dégradation des graisses au niveau des adipocytes. N'oubliez pas également que vous avez besoin de faire du sport pour maintenir votre silhouette, pour maintenir votre poids. Maintenant, je vais vous parler de quelques habitudes à modifier dans votre quotidien pour justement limiter la progression des graisses et les éliminer le plus efficacement possible. Par exemple, il faut éviter les produits industriels. Je sais que c'est très, très compliqué, très, très difficile, mais c'est quelque chose que vous devez prendre l'habitude de faire. Privilégier les produits frais, les fruits. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, mais le résultat que vous allez obtenir à la fin va tellement vous satisfaire que après ça devient une habitude. Et quand vous avez une habitude, comme on dit souvent, c'est une seconde nature. Après, vous ne vous rendrez même pas compte. Favorisez donc les fruits et les légumes de saison. Par exemple, évitez de prendre par exemple le potiron en été, prendre en hiver parce que c'est la saison. Je pense pas que c'est l'hiver, c'est l'automne, je sais plus trop. Les aliments complets, il faut les transformer. Les aliments tels que la viande, le poisson, l'œuf, il faut les privilégier dans votre alimentation. Les lentilles, les pois chiches, surtout si vous avez un problème de carence en fer, privilégiez le pois chiche. Le pois chiche ne contient pas le fer, mais il contient des propriétés qui permettent de fixer le fer que vous voulez garder dans votre organisme. Surveillez la glycémie. Donc, évitez tout ce qui est trop sucré, surtout des aliments industriels. Prendre, si vous pouvez, des jus frais que vous allez vous-même presser chaque matin ou alors que vous allez extraire à base d'un extracteur de jus. Reprenez le contrôle sur votre façon de vivre et de vous alimenter. Ça, c'est très, très important. Lorsqu'on veut, en fait, maigrir, on veut rester dans une ligne qui nous convient. On veut plaire, on veut aller à la plage à l'été. N'attendez surtout pas l'été pour dire, juste 3 mois avant l'été, je vais activer au niveau d'un programme pour pouvoir mincir et aller me bronzer à la plage. Non, c'est comme je disais, c'est des habitudes à prendre. Il faut le faire tout le long de l'année. Et n'oubliez pas, très, très important, important aussi de bouger tous les jours pour augmenter cette capacité de votre corps à éliminer. Marchez un peu plus, montez les étages, descendez, jardinez, bref, bougez, faites une activité sportive. Et le conseil que je donne dans toutes mes vidéos, c'est de boire minimum 1,7 litre d'eau par jour avant 17h. Voilà tout ce que j'avais à vous présenté pour un régime vraiment au quotidien et pour vous aider à garder votre ligne. Surtout, restez en santé et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nutri Pure.